ce livre des Rigeurs de Jacobinus Gainsborough, je suis auteure et illustratrice. Et c'est vrai que c'est, même si j'avais déjà été auteure, autrice auparavant, j'ai pris ce livre-là un peu différemment. Je me suis peut-être investie un peu différemment dans ce projet en tant qu'auteure. Il m'a fallu du temps pour assumer le rôle. Et maintenant, j'ai plus d'envie de contrôler le texte et l'image, justement pour pouvoir travailler le rapport texte-image en étant seule, en pouvant mettre dans l'image ce qui ne sera pas forcément dit dans le texte et inversement. Et c'est plus compliqué quand on travaille avec un auteur. Bien sûr, il y a des collaborations qui peuvent permettre ce genre d'échange, mais c'est plus compliqué de demander à un auteur d'enlever un paragraphe parce qu'on estime qu'on n'en a pas besoin, parce que ça va être apporté dans l'image. Donc, étant toute seule sur le projet, ça m'a déjà permis d'équilibrer les choses exactement comme je voulais. Après, c'est un projet qui s'est étalé sur 2 ans. Je n'ai pas travaillé pendant 2 ans, mais je me suis donné le temps de l'écriture. Au début, j'avais l'envie simplement de raconter une vie entière en 12 grands tableaux, 12 grands moments d'une vie. Et puis, à force de le mettre en image, mon personnage, un peu, ça a pris un peu corps. Et un peu, bon, c'est un peu fumeux de dire une chose pareille, mais il a j'ai dû donner des éléments à sa vie pour lui donner de l'épaisseur, comme s'il le réclamait un petit peu. Donc j'ai écrit davantage, j'ai été plus bavarde. Puis du coup, je suis revenue à des portraits où on le voit vieillir de jeune jusqu'à son dernier moment. Et donc le texte a nourri des envies d'image et l'image a nourri des envies de texte. Après, je ne me souviens pas de tous les process de création, tout ça, mais c'est vrai que ça s'est fait un peu doucement et un coup l'un, un coup l'autre. Et ça, c'est le bénéfice de travailler seul sur un projet comme ça. Voilà. Une de mes envies sur ce projet, c'était de revenir à un univers qui soit un peu plus généreux, un peu plus accueillant pour les enfants. Depuis plusieurs années, je faisais des albums en sachant qu'évidemment, il y a un grand nombre de lecteurs adultes, amateurs de livres et d'illustrations souvent, qui achètent et suivent mon travail. Et sachant ça, je pense que en travaillant, je pensais aussi aux lecteurs adultes et petit à petit, je leur avais donné une trop grande place. Et dans mes livres qui devenaient peut-être un peu plus austères et un peu peut-être moins intéressant pour les enfants, tout simplement. Et là, j'ai eu envie de redonner la première place aux enfants. Je ne sais pas complètement le faire, parce que moi, j'aime faire des livres qui puissent être lus à tout âge. Et j'ai eu envie de faire quelque chose de mignon, de gentil, au premier degré, sans cynisme, sans noirceur derrière. Et bon, je ne sais pas si je l'ai complètement fait, parce que moi, j'aime la bizarrerie et l'étrangeté, mais j'ai décidé, et j'avais évidemment l'univers de Beatrix Potter en tête, de prendre un héros qui soit un petit lapin que j'ai essayé de dessiner, de peindre le plus mignon possible. C'était mon objectif premier. Après, j'ai déroulé sa vie et j'ai parlé de moments de vie qui s'adressent un peu moins, enfin, qui sont des considérations plus, pour les plus grands, pour les plus adultes. Mais j'ai eu envie de mélanger cet univers doux, accueillant pour les plus petits. Et ça leur permet de rentrer dans le livre et après, en s'intéressant au texte qui leur parle de choses un peu plus complexe pour eux, ça leur permet de s'intéresser quand même à cet aspect-là et voilà. Donc petit lapin, je voulais faire quelque chose de mignon, point. C'était un objectif, mon premier objectif. Moi j'essaie toujours de progresser, de faire un peu mieux, puis de ne pas faire toujours la même chose. C'est difficile de se renouveler, c'est une volonté que j'ai, mais on est limité par ses propres capacités et ses propres tics en fait. Mais pour les couleurs, oui, j'explore des harmonies colorées un peu différentes à chaque fois. Mais c'est surtout qu'au début, je me sentais plus timide et que j'étais confortable dans les camaïeux de couleurs chaudes. C'est très facile, en fait. C'est pour ça que je le faisais. Et maintenant, j'ose davantage les harmonies qui crient un peu plus. Enfin, voilà. C'est très difficile de changer ses habitudes sur des harmonies colorées. Mais c'est ma volonté d'explorer les choses, que ce soit dans le dessin, la narration, les couleurs, voilà. Ma volonté est grande, mes capacités sont petites. Depuis plusieurs années, presque à chaque album, je travaille avec la galerie Robillard, qui est une galerie d'illustration à Paris, qui représente mon travail et celui de beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs français ou étrangers. Et c'est vrai qu'à chaque sortie d'album, souvent on fait une exposition des originaux et des crayonnés et des recherches de l'ouvrage.
Donc là, c'est ce qu'on expose en ce moment jusqu'à lundi, puisque ça a commencé il y a une quinzaine de jours. C'est rue de Malte, enfin, à Paris, près de République. Et j'aime bien montrer les vrais dessins, parce que même si là, l'éditeur Sarbacane a fait un super boulot d'impression, c'est extrêmement soigné et vraiment, c'est au top. Voir les originaux, c'est toujours autre chose et je trouve que c'est toujours émouvant. On sent qu'il y a toujours un peu quelqu'un derrière, si vous voulez. Donc, je sais que les gens aiment bien. Et puis, ils aiment bien voir aussi un peu le making-of, les crayonnés, les recherches du projet. Et puis, il y a aussi l'aspect vente d'originaux parce que l'illustration prend une cote et il y a un intérêt grandissant de la part des collectionneurs pour les originaux d'illustration. Mais ce sont l'intérêt de ce type de public et l'intérêt du public pour le livre, c'est un peu deux publics différents. Mais voilà, on fait ça pour ces deux types de personnes. Non, pour moi, c'est assez simple. Je n'ai pas de désir particulier. Je suis bien dans ma peau, moi. Je ne souhaite rien dans ma vie, pour moi, de changement. Ça ne me fait pas rêver d'être autre chose. Je me plais à imaginer des mondes dans mes livres et des personnages, mais qui ne sont pas moi. Je ne mets pas de moi. Enfin, je ne peux pas répondre à votre question. Ça n'a pas de... Je ne me pose jamais cette question. Je ne me suis jamais dit je rêverais d'être Superman ou Cendrillon. Alors jamais. Voilà. Donc ma réponse, elle est très claire, en fait.